Il ne se serait pas mieux entendu s'il s'était crié d'une voix déchirante Nous avons tué Camille, et son cadavre est là, étendu entre nous, glaçant nos membres. Et leurs pensées ne s'arrêtant pas, les avaient promenées ensuite dans les angoisses, dans l'attente peureuse qui avait suivi l'assassinat. Ils arrivèrent ainsi à songer au cadavre du noyé étalé sur une dalle de la morgue. Laurent, dans un regard, dit toute son épouvante à Thérèse. Et Thérèse, poussée à bout, obligée par une main de fer de desserrer les lèvres, continua brusquement la conversation à voix haute. Tu l'as vue à la Morgue demanda t-elle à Laurent, sans nommer Camille. Oui, répondit il d'une voix étranglée. Les meurtriers eurent un frisson. Ils se rapprochèrent du feu. Ils étendirent leurs mains devant la flamme, comme si un souffle glacé eût subitement passé dans la chambre chaude. Ils gardèrent un instant le silence, peu le accroupis. Puis Thérèse reprit sourdement. Paraissait-il avoir beaucoup souffert Laurent ne put répondre. Il fit un geste d'effroi, comme pour écarter une vision ignoble. Il se leva, alla vers le lit et revint avec violence, les bras ouverts, s'avançant vers Thérèse. Embrasse-moi, lui dit-il, en tendant le coup. Thérèse s'était levée, toute pâle, dans sa toilette de nuit. Elle se renversait à demi, le coude posé sur le marbre de la cheminée. Elle regarda le cou de Laurent. Sur la blancheur de la peau, elle venait d'apercevoir une tache rose. Le flot de sang qui montait agrandit cette tache qui devint d'un rouge ardent. Embrasse-moi, embrasse-moi, répétait Laurent, le visage et le cou en feu. La jeune femme renversa la tête davantage pour éviter un baiser. Et appuyant le bout de son doigt sur la morsure de Camille, elle demanda à son mari Qu'as-tu là Je ne te connaissais pas cette blessure. Il sembla à Laurent que le doigt de Thérèse lui trouait la gorge. Au contact de ce doigt, il eut un brusque mouvement de recul en poussant un léger cri de douleur. Ça, dit-il en balbutiant, ça. Il hésita, mais il ne put mentir, il dit la vérité malgré lui. C'est Camille qui m'a mordu, tu sais, dans la barque. Ce n'est rien, c'est guéri. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Et le misérable tendait son cou qui le brûlait. Il désirait que Thérèse le baisât sur la cicatrice. Il comptait que le baiser de cette femme apaiserait les mille piqûres qui lui déchiraient la chair. Le menton levé, le cou en avant, il s'offrait. Thérèse, presque couchée sur le marbre de la cheminée, fit un geste de suprême dégoût et s'écria d'une voix suppliante « Oh non, pas là Il y a du sang !» Elle retomba sur la chaise basse, frémissante, le front entre les mains. Laurent resta stupide. Il abaissa le menton et il regarda vaguement Thérèse. Puis tout d'un coup, avec une étreinte de bête fauve, il lui appliqua les lèvres sur son cou, sur la morsure de Camille. Il garda, il écrasa un instant cette tête de femme contre sa peau. Thérèse s'était abandonnée, elle poussait des plaintes sourdes, elle étouffait sur le cou de Laurent. Quand elle se fut dégagée de ses doigts, elle s'essuya violemment la bouche, elle cracha dans le foyer. Elle n'avait pas prononcé une parole.